Allez, on se retrouve quelques jours après la première vidéo sur Magic Ministrad Noces Écarlates. Voilà, ça n'a pas bougé. Hein. J'ai remis le carton communauté, j'ai remis les boosters vides à l'intérieur. On va s'ouvrir le deuxième tiers de la boîte, donc 10 boosters. Le booster est toujours là, il sera pour la dernière vidéo. Donc aujourd'hui, je vais prendre le côté droit. Ils sont là, 3, 6, 9 et un 10. Depuis la première vidéo, j'ai rangé en classeur les cartes. Et du coup, voilà ce que j'ai en double. Donc pas grand chose au final, c'est cool. Une T1, comme je vous l'ai dit lors de la première partie, et tous les terrains, même si c'est des doubles, c'est pas grave, je garde. Peu de doubles, c'est cool. Allez, on est parti. J'avais très hâte d'ouvrir la deuxième partie de cette box, parce que ça me plaît énormément. Cette série me plaît énormément, les visuels, tout ça. Donc, voilà. Allez. J'avais, comme je vous dis, très hâte. Allez, on ouvre ça. J'y arrive, hein. Alors on a eu des cartes incroyables, très sympa, mais il y a des cartes vraiment folles, vraiment vraiment folles, et on devrait en avoir quelques-unes normalement dans cette box, donc voilà. Allez, donc on commence. Pour ceux qui n'ont pas vu la première partie, bah allez la voir si ce n'est pas déjà le cas. Et puis sinon voilà, on commence avec un espèce de d'artwork complet. Alors j'ai pas le nom en tête, hein. Ce qui derrière il marque série illustration, peut-être que ça s'appelle comme ça, série illustration. Les cartes sont incroyables, elles sont vraiment vraiment magnifiques. Voilà, un terrain foil pour commencer, c'est cool, une petite plaine, ça se voit qu'elle brille, hein. Magnifique. J'en avais eu un lors de la première partie, donc c'est cool, c'est pas celui-là, donc voilà, c'est cool. Je vais la mettre de côté pour pouvoir la sliver direct derrière. Hop. Donc j'avais fait ça comme ça, les boosters, je les mets sur les côtés. Hop, ça, on n'en a pas besoin. Parce que il y a pas mal de choses dans cette série, donc voilà. Donc, Cohue Misérable, on commence avec les communes. Cogneuse au bouclier d'Eswald. Donc voilà, enfin le nom. Parce que je l'avais eu, cette carte, je l'avais eu comme ça, là. Et du coup, bah, on a le nom comme ça maintenant. Hop. Récupération de l'alchimiste. Témoin cruel. Châtiment de Markov en Unko. Tueuse indolente. Marin au crochet que j'avais déjà eu. Cherche-sang agité. Mondaine sanguinaire, on commence à avoir quelques doubles. La rare, présage ailé. Très sympa. Très très sympa. Carte rare que je n'ai pas eu encore. Donc c'est cool. Pas de double. Ensuite, la foil. Une Unko. Ça c'est une Unko, ouais. C'est une Unko. Cadet dissimulé, que je n'avais pas, donc c'est cool. Et une carte The List. C'est cool. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la première partie, les cartes The List, c'est des rééditions d'anciennes éditions. Donc là, les deux 2019, je n'ai pas le nom de la série parce que je n'ai pas collectionné cette série, donc je ne pourrais pas vous dire. C'est une Unko, voilà, Fact or Fiction. Voilà, c'est cool. J'ai préféré essayer d'avoir, comme dans la première partie où j'ai chopé une carte Tourment, voilà, des vieilles éditions. Mais c'est cool, une carte The List. Je dis pourquoi pas. Alors, je vais prendre un peu de temps pour sliver. Hop, le terrain foil et la carte The List. Voilà, on va mettre ça là et ça là. Ok, deuxième booster. Bon, c'est un premier booster plutôt cool. Une rare que je n'avais pas, une carte d'illustration que je n'avais pas, une carte The List, un terrain foil. Bah, franchement, c'est cool. Une carte d'illustration que je n'avais pas. Très sympa. Sam Gway. Hein, Sam.
Est-ce qu'il serait de la même famille que Rebecca? Je ne sais pas du tout. En tout cas, son dessin se rapproche. J'ai aucune idée. Bah, la même qu'on a eu tout à l'heure, mais en normal. Mondaine sanguinaire. Pourquoi il a du mal à faire le focus? Je ne sais pas du tout. Pourquoi il a du mal à faire le focus? Épicurien Voldaren. Fontaine de sang. Donc là, c'est les communes. Piqueur sinistre, Lunko, Archigoule de Traben, Lunko, Fermier désespéré, je suis perdu, non, c'est celle-là. Célébrant un pic que j'avais déjà, malheureusement. Convive belligérante, Célébrant Falkenrad. Putain, je commence à avoir pas mal de doubles sur cette série, enfin les. Oh, je sais pas comment ça s'appelle. C'est un truc un peu à part. Bizarrerie de Lulvanweld. Donc, qui est une carte qui est donc la rare, qui se retourne. Qui devient le Behemoth de Lulnenwald. Ok. La foil, présence nourricière. Que je sais pas si j'avais pas eu déjà en foil. J'ai un doute. Hop. Et le jeton sang que j'avais déjà. Ouais. Un booster pas incroyable, on va dire. Hop. La carte d'illustration. Très sympa. Très très sympa. Dominique Meyer. Terrain Hill. Célébrant Falkenrat. Convive Glouton, ça c'est des dessins qui me disent des choses, c'est des cartes que j'ai déjà. Convive belligérante. Célébrante au pétale de sang, magnifique. L'illustration est incroyable. En commune, chauve-souris messagère. En unco, major de mort-vivant. Chute du héros. Prisonnière épuisée. Fantassin du Drogue Skull. Bon, je ne la retourne pas à chaque fois, mais vous avez compris là, le principe. La rare Shaman Rushker, que je n'avais pas. Donc c'est cool. En foil, une commune. Que je n'avais pas. Tueuse de vampires. Et le jeton. Même pas. Une pub. Ok. Ouais, bon. Un booster pas fou non plus encore. Ça fait deux d'affilée déjà. On arrive déjà au quatrième. La carte d'illustration. Sympa, que je n'avais pas. C'est qui ça? Qui fait Joshua Raphaël. Ok. C'est cool, sur les cartes d'illustration, j'en ai pas des masses. Montagne. Oh putain, me dit rien ce montagne. Je sais pas si je l'avais eu dans la première ouverture. Très sympa. La commune. Chasseur florissant. Phalange maudite, viser la tête, malveillance immortelle, en unco, frondeuse de lame de scie, escouade de la résistance, prisonnière épuisée, guest d'emprisonnement, écuyère sans vasseur que j'avais déjà eu. Ah non, pardon. Si, c'est une créature légendaire, mais je pensais que c'était un Planeswalker, mais non. Audric, maudit par le sang, que je n'avais pas eu. Magnifique. La foil, chat geist malicieux, que je sais plus si j'avais. Non, il n'y en a qu'une. Je croyais qu'il y avait plusieurs cartes. Là. Oui, parce qu'elle se retourne. Donc c'est pour ça qu'elle est un peu plus épaisse que les autres. Et la même chose qu'on a eu juste avant. Voilà, un booster sympa. Bon. Ah, c'était pas incroyable, mais sympa. Bon, il y a des choses qui... On peut choper des choses très cool. Donc, j'aimerais bien que ça arrive un peu. Des loups-garous pour la carte d'illustration. Donato Giancola. Terrain forêt. Cracheur de flammes de Kessig.
Fissuration. Fin des festivités. Très sympa, les loups. Ils sont très cool. Lacérer la chair. Carreau béni par les flammes que j'avais eu en foil. Unco Guivre de Ronce. Récupérer. Voyageuse innocente. Épicurien vol d'arène. Une mythique. Gardien de la porte du cimetière. Très sympa. Deux initiatives pour deux. Célébrante Falkenrath en foil. Hop. Et ce machin qui permet, comme j'avais vu juste après, en fait, vous pouvez utiliser cette carte pour représenter une carte recto verso. Donc c'est bien ça, c'est ce que je pensais que c'était lors de la première vidéo. Ok, on arrive à la moitié. Ah, le château, je sais plus comment il s'appelle, Voldaren, je crois, c'est comme ça, en carte d'illustration. Richard Wright. Une île. Engeance du bûcher. Impulsion téméraire. Colère ancestrale. Des unco, des communes, tout ça. Unco, infestation rampante. Taxidermiste recluse. Œuf de biolume. Décidément. Chaque fois que je vais faire des choses avec mes mains. Serpent biolume. Ah, sympa. Ok. Fermier désespéré. Très sympa. Écuyère sans vasseur. Angé. Demoiselle de déshonneur. Très sympa. Qui est donc la rare créature légendaire. Superbe. Magnifique. Une deuxième rare. Ok. Mais c'est cool. Rideau dissimulateur que je sais pas si j'ai pas eu. Mais je crois que je l'avais eu en foil peut-être. Héron de l'espoir en foil. Très sympa. Et un token esprit. Ok. Plus que 4 boosters. Ouais, les Planeswalkers, franchement, il y a des cartes. J'ai vu des vidéos de incroyables. J'aimerais vraiment qu'on en ait une, quoi. Waouh. Très sympa. Pindurski. C'est quoi? Quartier maître angélique. Très sympa. Un autre terrain foil, cool. Une île que je j'avais pas normalement. Je vais la mettre de côté pour la sliver. Trahison sanglante. Couteau cérémoniel, je vais y arriver. Qui apparemment est une très bonne carte. Très très bonne carte. Serviteur de sang. Vidé de son sang. Essaim hurlant en unco. Araignée ville engeance. Pisteur à l'ombre des chênes. Ok. Recluse en haillons. Mondaine sanguinaire. La rare. Chef de meute ascendant. La foil. Très sympa. Frappe du loup. Je sais pas si ça se voit vraiment l'effet foil là. Waouh. Très sympa. Ok. Et un token nuit. Au moment où on passe la nuit, transformer tous les permanents diurnes. Les permanents arrivent sur le champ de bataille nocturne. D'accord, c'est ce qui permet de retourner ces cartes là. C'est ce qui permet de retourner ces cartes. Si un joueur lance au moins deux sorts pendant son propre tour, on passe au tour prochain. D'accord. Toute une mécanique que je n'ai pas. Donc, voilà, on va passer. Très bien. Allez, plus que 3 boosters. Aïe, 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 aïe. J'espère qu'on va choper. Il y a des. Je me répète, mais j'aimerais vraiment en avoir une. Au moins. Carte d'illustration, très sympa. J'ai l'impression de ne pas avoir de double sur les cartes d'illustration, ça fait plaisir. Petit terrain. Gargantua de la marée putride. Spécimen tenace. Goule sans su céphale.
Dissident d'année. Charognard du Dirgraf. Ok. Lancier rafistolé en un coup. Fenêtre barricadée. Carte que j'avais déjà, que je vous ai montré qu'elle est déjà en début de vidéo. Sécurité du mariage. Lara rampeur en patchwork. Très sympa. Et Corbière de lune de miel en foil, qui est une unco, qui est pareil encore une fois, très sympa. Ça se voit les effets. Et le premier joueur à 3K de rien, condition de victoire. Je sais pas ce que c'est. Mini-jeu magique. D'accord. Très bien. Plus que deux. Aïe aïe aïe. Plus que deux. Carte d'illustration, ce que je n'avais pas, c'est cool. Don de croc, rituel sinistre, discussion à couteau tiré, baiser du vampire, plein de cartes, je crois qu'ils ne me disent rien. Escorte d'Olenbock, paladine cigardienne, putain, elles sont belles. Hein. Carte que je n'avais pas eue, qui ne me dit rien. Cadet dissimulé, rôdeur des égouts. Hypnotiseuse de sang, très sympa. La rare solitaire irascible, une carte qui se tourne. Voilà. Et la foil charognard du Dirgraf. Et cool ça. Time of Ace, c'est une carte de The List de 2018. J'ai pas le nom de la série en tête. Mais c'est cool. Franchement, ça fait plaisir. Ouais, une carte de liste. Et du coup, le dernier booster. Je vais ouvrir comme un port. Ok. La carte d'illustration. Très sympa. Forêt. Siphonner l'essence. Scab du répositoire, assistant raccommodé, scab plongeur, scab au crâne, grâce radieuse, porteur de lanterne, épicurien voldarin, convive gloudon que j'aime beaucoup, c'est une de mes illustrations préférées. Ah, col du crépuscule, qui est donc un terrain rare, cool. Parce que je pense que je crois que c'est une carte à avoir, cette carte. Clairement. Célébrante Falkenrath en foil. Et une autre carte The List. Que je ne connais pas. 2021. Ouais. Bon. Je sais pas pourquoi. C'est parce que c'est une carte qui est plutôt intéressante dans le jeu. Donc, aucune idée. Voilà. Mais c'est une carte The List. Donc, c'est toujours cool à trouver. Voilà. Ok. Si ça vous a plu cette petite vidéo, ben laissez votre petit pouce bleu, un petit commentaire pour me dire un petit peu si, ben, ce que vous avez pensé de tout ça, si vous avez ouvert de votre côté aussi. J'ai l'impression que c'est pas, ça n'intéresse pas grand monde Magic, mais bon. Moi ça me fait plaisir à ouvrir, ça me permet de garder un souvenir, pas ouvrir pour rien entre guillemets, garder un souvenir. Si je chope une carte de dingue, ben, c'est toujours cool de se remémorer le fait de l'avoir ouverte. Donc voilà, c'est toujours un plaisir, et puis moi c'est toujours un plaisir d'ouvrir des cartes. Et pourquoi pas le filmer. Donc voilà. Allez, je vous laisse. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine. La dernière partie. Hein, la troisième partie. Avec les 10 derniers boosters. Et puis, on ouvrira aussi à la fin ce petit booster. Où il peut y avoir une carte très très cool dedans. Allez, je vous laisse. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine. Sur ce, portez-vous bien. Et puis, à la prochaine. Allez, ciao.